Snap, en fait, c'est un géolocalisateur de clés. Donc, qui permet en fait qu'on accroche soit des clés, soit un objet de valeur, par exemple un téléphone, etc. Et qui nous permet en fait de rechercher l'objet qu'on a perdu. Et donc, ensuite, en fait, on peut le chercher sur une carte. Donc, grâce à l'application Time, soit on perd l'objet et on retrouve l'objet, soit on perd le téléphone et on retrouve le téléphone aussi. Avec le fondateur de Bénis. Est-ce que tu pourrais te présenter et nous expliquer ton concept ? Donc du coup, moi je m'appelle Ruben Djagoué, j'habite à Évry et mon concept c'est un concept de street food, c'est Bénis Hot Dog, tout simplement Bénis parce que c'est mon surnom. Donc nous ce qu'on propose c'est des hot dogs revisités et aussi c'est une mobilité pratique parce qu'on travaille avec des chariots hot dog. Et l'idée c'est surtout d'apporter aussi sur nos événements une animation originale avec nos casquettes, nos t-shirts, nos chariots, notre ambiance, notre joie de vivre. Donc voilà, c'est ça Bénis Hot Dog. Bonjour, donc je suis Didier Desnus et je suis président par intérim depuis vendredi. De la chambre de commerce et je suis commerçant dans le prêt-à-porter dans le nord de l'Essonne. Et bien, l'objectif du concours est simple, c'est d'expliquer ce que c'est que le métier d'entreprise, ce que c'est que le métier d'entrepreneur à tous les niveaux du collège ou des écoles. Je m'appelle Yatera Djenaba, j'ai 21 ans. Je suis la directrice générale de la mini-entreprise Sweetie Bank. Alors, notre projet consiste à fabriquer des tapis de bain absorbants et antidérapants avec plusieurs motifs. C'est personnalisable. Vous choisissez la couleur que vous voulez, le motif que vous voulez, donc on le fait. Donc c'est fait main aussi. On a une couturière qui nous les coupe. Donc c'est fait avec des produits certifiés Ecotex. C'est-à-dire nos produits toxiques. Donc, on a de l'éponge de bambou et de la microfibre. Donc, ces deux produits unis, ça absorbe beaucoup. Donc c'est une entreprise qui est adaptée au niveau collège. Ce qui est le plus important, c'est que nos produits sont fabriqués à partir justement de bouteilles de shampoing recyclées. C'est-à-dire que nous, au lieu de jeter et de gaspiller, eh ben nous, on ne crée pas justement. On va chez les gens, on leur pose, on leur demande. Et donc on prend des bouteilles de shampoing, on les décore, on les transforme, on leur donne une seconde vie.